Oisiré ou Apis, taureau. Pour toi, c'est les deux lignées, ok? Autant paternelle que maternelle, c'est eux qui ont un message pour toi. Ils disent authenticité, authenticité. Ils veulent même pas donner plus de détails, mais c'est vraiment ce mot qui revient, Oisiré, authenticité, authenticité. Et là, j'ai vu deux situations. Il y a deux situations, c'est-à-dire pour deux personnes, deux taureaux différents. Il y a un que c'est. En fait, c'est comme si tu as eu apparemment deux carrières ou une ancienne vie. Et dans celle-ci, l'actuelle, là, elle est totalement différente. Donc, on dirait qu'en ce moment, tu as envie de retourner comme c'était avant, de reprendre l'ancienne carrière. Et j'ai vu la danse, j'ai vu un taureau, une taureau qui danse. Mais on te parle de l'authenticité parce que j'ai l'impression que ça, c'était beaucoup plus authentique pour toi. Le deuxième taureau, c'est un choix que tu as fait dernièrement qui, ce choix-là, te fait dévier. C'est une décision que tu as prise, un chemin que tu es en train de prendre, mais ça te fait dévier de ton authenticité. Ça ne les honore pas non plus, tes ancêtres. Donc c'est pour ça qu'ils ont dit vraiment authenticité, authenticité. Et tu vois le Adinkra qui parle de ça, de l'authenticité, c'est Nsa. Nsa, l'authenticité. Et puis c'est très profond, hein. C'est un sceau, ok, un design pour exprimer le fait que il est comme il est, ce design-là, et qu'il faut le connaître. Si on ne le connaît pas, on peut faire certaines reproductions, mais qui ne vont pas être identiques à l'original. Et puis ce design, ce symbole aussi signifie de connaître, de se connaître. Parce que sinon, tout le reste autour sera fake, sera faux. Tu vois, on dit celui qui ne connaît pas l'authentique va acheter le faux. Vous voyez, donc Oisiré, authenticité, ok, ils veulent pas en dire plus, ils veulent juste dire authenticité. Donc retrouve, voilà, ils disent retrouve ton authenticité. Ils disent merci aussi de passer le message. Et je vois aussi, j'ai vu comme une scène de fête et quelqu'un qui boit, la joie, ok, retrouve cette vie-là que tu avais, où tu étais plus authentique. Alors que maintenant, c'est juste, oui, j'ai atteint les objectifs et tout. Mais retrouve cette authenticité. Tu vois, c'est important comment est-ce qu'ils. En tout cas, et regarde la carte des sacrés. J'oublie toujours le nom, vision, vision sacrée. Regarde, ça te parle, hein? Le buffalo, c'est ça, c'est un buffalo. On parle de la renaissance, en fait, de ce buffalo-là. De renaître avec le sens de bien-être et de perfection. Chante la nouvelle chanson qui vient de ton cœur. Ok? C'est comme si avant, tu vivais, tu écoutais ton cœur et que maintenant, c'est juste, ok, rationalité. Logique, tout simplement. Non, on te dit de renaître. Ok. Renaît. Renaît. Soit ce buffalo-là qui renaît avec un sens de bien-être et de perfection, qui chante la nouvelle chanson qui vient du cœur. Voilà. Voilà. Donc, c'est ça pour toi, Oisiré. Oui, c'est fou. Ok. Mais pour une autre, on te montre. Ton ascension là, elle est bloquée par une personne, une féminine. Une énergie féminine bloque ton ascension. Tu veux vraiment monter dans ta carrière et là, on voit qu'il y a une énergie féminine qui bloque ça complètement. Ok. Complètement. Voilà. Célèbre la joie. On dit de célébrer la joie. Là, on me montre aussi un Oisiré qui aura séparation.
séparation de corps. Oh. On ne veut pas faire, on veut juste les messages. Sinon, je risque d'être longue là. Pas de situation, ne montrez pas la situation. Juste les messages pour eux. Les messages. Oui, de vraiment retrouver ta... ce que tu faisais avant. C'est ça. Ce que... je vois aussi un autre taureau qui pense à ça, qui veut retourner à ce qu'elle faisait avant, mais elle a des craintes. Elle a des craintes. Eh bien, on te dit de renaître justement avec cette, de renaître avec l'authenticité, renaître avec le sens du bien-être. Il y a, c'est pas pour tous les taureaux, mais pour certains, on parle des falaises de Bandiagara, chez les Dogons, en pays Dogon, les falaises de Bandiagara. On montre aussi, on me montre en même temps quelques lieux. J'espère que tu vas pas devoir aller jusque jusque là-bas. Mais oui, pourquoi pas, pourquoi pas. Si tu dois te rendre pour retrouver ton authenticité, si tu dois te rendre, mais vas-y. Vas-y, tout simplement. Vas-y, n'aie pas peur. Arrête avec tes craintes. Ok, elle sera démasquée, la personne qui a, elle sera démasquée. Tu sauras qui c'est, celle qui a saboté en fait ton ascension. Elle sera démasquée, elle aura même, je sais pas si c'est culpabilité, mais en tout cas, elle va être en déchéance. Ok. Donc. N'oublie pas Taureau, l'authenticité, le Adinkra, ça te parle beaucoup de ça. Je cherche aussi beaucoup là-dessus. Et on dit de vraiment continue de t'aligner avec l'énergie, sur l'énergie de Vénus, mais hétéro, c'est-à-dire hétéro, hétéro. Donc continue de vraiment t'aligner sur son énergie, de demander son soutien. Continue de demander son soutien à hétéro. Car elle est vraiment, elle vient vraiment de ta planète dominante, Vénus, tu vois. Je vois des fleurs roses. Ça, c'était la façon que tu prenais soin. Donc continue, trois fleurs roses. Trois fleurs roses. C'est merveilleux ton univers, Oisiré. Alors, bonne pleine lune.